Salut bossard, c'est Paul et bienvenue sur Detroit Become Human et c'est le moment de continuer notre aventure. Let's go! D'après plusieurs sources, CyberLife aurait fourni à la police de Détroit un prototype d'android détective. Les androïdes assistants policiers existent depuis quelques années, mais ce serait la première fois qu'on habiliterait un android à jouer un rôle de premier plan dans une enquête criminelle. Nous avons contacté CyberLife pour en savoir plus. Alder! Ah, tu m'as donné ça, what? Je savais pas. Chercher le graffiti. Oh, ok, donc... Bon. Si je regarde autour de moi, il y a vraiment rien d'intéressant pour l'instant, à part un truc. Ouais, je suis bien. Et toi, ça va? Voilà. Hey, c'est Kara! Un androïde en fuite. Une machine dysfonctionnelle cause la panique à Camden. Je suis pas dysfonctionnel. Non. Je suis très très fonctionnel, si vous le saviez pas, man. Bon, pas besoin de lire tout ça, on sait déjà ce qui se passe, n'est-ce pas? Androïde à la conquête d'Io. Ah ouais? Tu veux jouer à Agario? Slitterio? Ok, j'arrête de faire mon coup. Pardon? Donc, marchons. Ah, j'ai pas le droit de partir! Ok, mais y'a rien d'autre à faire, what? What the fuck? Est-ce qu'il y a rien d'autre, quoi? Ok, attends. Y'a vraiment rien. Ok, un homme. Ah, mais c'est ici, alright! Ok, y'a rien qui... Attends, regardez autour pour trouver le graffiti dans l'environnement, mais j'ai... Il est là, guys. Il est là. Yo. Bro. Oh, ok. Fallait que je fasse ça comme ça. Alright. Attendez. Je crois que si je vais un petit peu plus loin... Ah, ça marche pas. Ok. C'est bon. Ici non plus. Ok, c'est bon. Faut vraiment que je trouve quelque chose ici. Indice mise à jour. Trouver ce graffiti. Ouais, c'est beaucoup plus difficile de trouver des trucs maintenant. Parce qu'avant, on me disait, comme, à chaque fois que je passais sur quelque chose, il y avait un petit signe jaune qui me disait, ah, il y a quelque chose à aller voir, mais là, cette fois-ci, il n'y a rien. Ok, là, ok, quelque chose de jaune. Non, c'est pas là. What? Holy shit, c'est plus. Attends. Ok, non, c'est juste que c'est jaune normalement, mais. Pour ça. Je sais pas ici. C'est pas toi, hein? Non, ça, c'est pas toi. Non. Voyons voir. C'est pas ici! Peut-être il faut que je parte! Non. Ouais, faut que je parte! Non, c'est pas par là, guys! Alright, enfin, je peux partir! On va prendre les escaliers, boys! Non, je suis pas un androïde! Se mêler aux humains. Ouais, tu l'as dit, Bouffy. Wow. Oh, vous avez vu l'android en bas? What the fuck? Je sais pas si c'est un bug. What? Yo, attends, est-ce que c'est un bug? Holy shit. Ok, non, ça c'est drôle. Bon, ok, quelque chose de jaune. Ah ben, je le vois. Attends, parlez. Parlez. Yo, bro! Ça marche pas. Voilà. Tu sais où se trouve Jericho? Évidemment! Voilà. C'est bon. Symbole. Ah, ok, premier symbole. Vous voyez maintenant, ok, ça devient jaune. Mon curseur, entre parenthèses, devient jaune.
Mais avant ça, il y avait un petit carré jaune. Quand je trouvais le signe, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve rien. Je cherche. Je peux pas aller plus à droite que ça. Ah, ok, ici, my bad. Je cherchais ce signe-là sur les graffitis où ce qu'il y avait des humains là-dedans, là. Ou le tigre, là, vous voyez. Ben, je sais pas si c'est vraiment un tigre. Vous voyez ce que je veux dire? Lion, sûrement un lion. Ça, je cherchais le signe sur leur corps et tout, mais non, c'était au beau milieu, nulle part, boys. Bon, prochain graffiti. Dans un lieu de travail en briques. Parce que... Attendez. Shit, est-ce que je peux y aller? On va traverser, guys. Je sais pas si je suis en train d'aller au bon endroit pour être honnête avec vous, là. Je crois pas qu'on va me donner d'indice, hein. Non, on me donne pas d'indice. Alright, c'est l'heure de chercher! C'est pas ici. C'est non plus. C'est cool que je puisse me promener un petit peu par-ci par-là, juste pour le plaisir. On va voir qu'est-ce qui va se passer, ça va être drôle. Ok, non, il faut que je revienne. On va voir si on peut faire de quoi ici, interagir avec quelque chose. Non, je peux pas interagir avec quoi que ce soit. Est-ce que je peux traverser ici? Non, j'ai pas le droit de traverser. On va essayer... Ouh, la police est là. Ça me tentait de traverser pendant que c'est rouge, mais... Shit, non. Alright, we can go! Shit. Où est-ce que le graffiti peut se retrouver, selon vous? Attends, oh man. Peut-être c'était dans l'endroit où j'étais, là, auparavant. Comme tout au fond, là. Ouais, parce que, vous voyez, il y a d'autres graffitis ici. Je suis quasiment sûr que c'est tout au fond. Attendez, tranquille. Non, il n'y a rien ici. Attendez. Mur rouge, rose, rouge. Ça devrait être facile à trouver, un mur rouge, rose, rouge, non? Nope. Peut-être là-bas. Ah! Non, n'étant pas le graffiti que j'ai besoin. Ah, what the fuck? Baby. Rouge. Est-ce que je l'ai passé selon vous? Ah, attendez. Je regarde pas tout le monde. Non, je vois vraiment rien. Faut que j'attende que ce soit vert. Alright, là on peut y aller. L'affaire c'est que. Peut-être c'est là-bas. Ça dans quelques instants là. À moins que je. Attends, oh shit, c'est vrai, je suis même pas passé par là. Hein? Comme je viens de là, mais je suis pas allé en avant là, comme tout au fond là-bas. Peut-être qu'on va trouver de quoi. Ok, non. Ok, ici. Est-ce que je peux continuer mon. Oh non. Ok, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais, hein. Si je fais ça, non, il n'y a rien. Attendez. Il n'y a vraiment rien. Shit! S'il y avait un moyen facile de suivre la piste, ce serait bien. Bon, ouais, je me suis promené partout et on peut voir que il n'y a rien qui puisse comme... Ah, ok, mais le mur est là. Ok, je l'ai vu. Ok, c'est parce que donc, comme la façon dont je suis venu, c'est... comme j'étais ici. Là, j'étais venu comme ça. Je voyais pas le mur. J'étais comme ça. Mais maintenant que je fais ça, là je le vois. Qu'est-ce que je veux dire? Bon. Anyway, pas le temps de niaiser, boys. Mais ouais, au moins on s'est promené partout, on a vu qu'il n'y a rien à faire. Alors, on n'a rien manqué en gros. Robots. Où est-ce que je peux retrouver des robots? Faut juste que je continue mon chemin et puis je vais retrouver des robots, je pense. Ah ah ah! Ok, ouais, good shit. Il faut juste que je me rapproche. One. Two. And. Est-ce que je peux aller. Là, je peux pas aller à gauche. Je peux pas aller plus haut que ça. Je peux pas aller plus bas que ça.
Alright, c'est l'heure de chercher comme un fou. Shit. Ah, ah! Ah, mais c'est ça, non? C'est pas ça? Ici? Fuck. Oh, peut-être que... Ah! C'est pour ça que je pouvais pas le voir. Mais comme l'analyser... Hey, est-ce que vous avez vu un sac volant? Holy shit, j'ai vu un sac volant! Okay, ouais, c'est ça. Donc, maintenant, je peux analyser ça. Easy! Ah, oh, ok, faut que... Je me débarrasse de ça. Let's go. Ok. Là ensuite. Brah! Indice mise à jour. Ok. Ça devrait être facile. Il faut regarder vers le haut selon moi. Est-ce que je peux continuer? Ah, voilà. Nice. Joli requin! Attendez, y a-t-il un autre moyen? Attends, trouvez un moyen d'accéder au toit. Voilà. Ok, et si je poussais les voitures, ce serait cool, non? Y a juste un truc que je puisse utiliser. Ouais. Let's go! Non, il faut que je passe pas. Comme ça. Comme un vrai ninja, man! I did it, boys! Bon, maintenant. Ah, voilà. Next. Non, c'est sûrement à gauche, hein. Attends. Non, il faut que je continue à regarder ici, en fait. Mais je vois pas. Attendez, regarde. Un. Deux. Est-ce que l'autre? Ça peut pas être en bas ici. Non, ça peut pas être en bas. Non. Alright, donnez-moi une seconde. Je peux plus descendre. Oh, peut-être ici. Attends. Non, ça marche pas. What the fuck? Ok, non. Faut que je le trouve comme ça selon moi. Oh, ok. Oh my goodness. Alright! Ok, un mur! Prochaine. Bon ben! Parcours time! Ok, utilisez le joystick droit pour sélectionner un trajet! Ah! Ok, attendez. Donc j'ai ça. Ça. Est-ce que j'ai autre chose? Je crois pas que j'ai autre chose, hein. Attendez une seconde. Donc, ici. Ce serait trop instable. Wow! Alright! Oubliez ça, boys! Ok. Ensuite, ça. Bah. Quel sens de l'analyse! Comme prévu! Je vois dans le futur. Attendez. Ok. Sparkle. Il faut que je vois un mur avec Sparkle. Attends. Descendre. Je crois que je l'ai vu. Joli. Premier signe. Yo, c'est smart leur affaire, hein. Il faut l'avouer. Deuxième signe. Ah, troisième signe. Ok, c'est bon. Ok, let's go. Ok, qu'est-ce qui va se passer ici? Shit, t'es en train de regarder une vidéo YouTube, c'est ça?
attends. Reculons un peu. Si je prenais un autre chemin. Je peux pas. Ok. Ici? Comme. Honnêtement. Ok, voilà. Ici! Okay. I did it! Et ensuite, est-ce que j'ai un autre? Ouais, j'ai rien d'autre. Ce serait trop haut! Yo, ça c'est super intéressant ça! My goodness, si seulement je pouvais faire ça dans la vraie vie. Je me demande il y a combien de chemins de ce genre à prendre. Je me demande il a analysé comme en combien de temps? 0.1 seconde? Ou bien ça a vraiment pris tout le temps que j'ai pris pour analyser ça, vous voyez ce que je veux dire? Bon. Le mur en jaune, c'est ici. C'est pas là trouvé. Oh. Wow, ok. Bon ben, pas le choix. Que ça fait peur cet endroit, man. Joli. Ouais, c'est seulement les androïdes qui peuvent trouver cet endroit. Damn. Oh shit. I fucked up. Ok, que puis-je faire maintenant hein, pour atteindre cet endroit joli? Est-ce que je descends ici? Est-ce que je peux descendre? Je peux pas descendre. Oh, ok. Attends, suis-je obligé de faire le quoi? Ah non, regardez. Ah non, ok, je peux passer par là, ça se voit. Oh! Wow! Assassin's Creed! Faire kaboum. C'est beau, oui. J'aime le changement de caméra. C'est encore moi qui bouge. Ok, sauter. Boy. Tu t'es bien amusé? Je devrais aller aux Jeux Olympiques, hein? Jette, c'est complètement sombre. On voit quasiment rien, man. Voyons voir si on va voir des monstres de Resident Evil. Y a-t-il des zombies? Ah, est-ce que je peux? Évidemment! Est-ce que je peux? Non, je peux pas y aller. Attends, voyons voir si j'ai manqué de quoi. Je crois pas que j'ai manqué de quoi, hein?
En arrière de moi, il y a rien. Ok, ok. Vous entendez ça? Vous entendez ça, guys? Ok. Allez, mon petit Marcus. À gauche, y'a rien. Ici. Pas le choix, hein? Ah! Peux-tu me dire ce que tu faisais ici? Genre, c'était un endroit où ce qu'il y avait rien. Ok, what the fuck, guys? Holy shit, ça m'a foutu les choses. Il y a des éléments d'horreur dans ce jeu, hein? Oh, je suis obligé. Yo, moi, je fais tellement de bruit quand j'ouvre les portes. Et elle, lorsqu'elle a couru en faisant son RAAAH! Ça a rien fait comme bruit, voyez ce que je veux dire? Ok, y'a rien. Oh! Je ne ressens pas la douleur, n'oubliez pas ça. Donc, c'est pas si grave que ça. Oh. Hey! Bienvenue à Jéricho. T'as fait exprès de me faire peur, hein? Wouh! Attends, j'ai manqué une tonne de trucs. Ouais, j'ai manqué une tonne de trucs. Stade du monde. Bon, y a pas vraiment de stade du monde ici. Hein. 87%. Ah, ok. Localiser Jéricho. Là, marcher sur le pont. Ah, ok. Ah, y en a qui ont pas marché sur le pont. Ici, what the fuck? Oh shit. Ok. Intéressant. Il faut la way. 6 novembre 2038. Wow, merci. Hey. Oh, comment ça va? Se réconcilier avec le lieutenant Anderson. Comment ça va, mec? Ouais, ça va. Hey, écoute, j'ai la tuyau de Gueda pour toi. Numéro 5 dans la troisième. Un boule canon. Une pouliche rapide comme l'éclair. Tu veux participer? Ouais, ton dernier tuyau de Gueudin m'a coûté une semaine de salaire, Pedro. Allez, là c'est différent. C'est 100% garanti. Tu peux pas te courir. Ok. Lui là, il a l'air d'un escroc, man. Ok, casier judiciaire, paris illégaux, fraude. Ouais. Ce gars-là, là, il fait tout pour pogner l'argent de tout le monde, man. Ouais, c'est ça. Ok, j'accepte. C'est cool. Ouh. Hey, tu vas pas le regretter. Oh. C'est quoi ton problème? Tu fais jamais ce qu'on te demande. Écoute, t'es pas obligé de me coller au train comme un caniche. T'as perdu ton argent, bro! s'excuser de votre conduite, partenaire, se réconcilier, lister les faits. Bon, on va essayer de se réconcilier. Je crois que notre relation est partie du mauvais pied. Nous devrions oublier ce qui s'est passé et reprendre à zéro. Qu'en pensez-vous? Écoute,
On a décidé de me coller un partenaire en plastoc. J'ai pas le choix, je dois faire avec. Mais si tu crois qu'on va devenir pote, t'es aussi crétin que t'en as l'air. Ça a bien marché. Et ouais. Ah, il a même pas dit, et voilà, et puis moi je suis en train de scanner le tout. Oh, attends. Soda XL, Anana Passion. Ok, ouais, intéressant, intéressant. Hamburger. Ok, c'est good shit. Alright, y a-t-il autre chose? Peut-être tu caches quelque chose, hein? Ah, mister! Ok, donc casier judiciaire, refus d'obtempérer, violation des règles d'hygiène. Tu ne devrais pas boire et manger ceci. Ah, je crève la dalle. Merci, Guy. N'est-ce pas ce truc ici? Aucune chance. Il me suit partout où je vais. Bon ben... Tu vois? Paris, cholestérol, fréquentation, bon appétit. Bon appétit. Je vous souhaite bon appétit. Merci. Est-ce que je devrais lui dire cholestérol? Let's go! Votre repas contient 1,4 fois l'apport journalier recommandé en calories et 2 fois celui en cholestérol. Vous ne devriez pas manger ça. On doit tous mourir de quelque chose, non? Ah! Ah! Ça a monté mon estime. Moi, je croyais que ça allait baisser mon estime. Et... Ok, autoroute. Let's go. Ce matin, quand nous avons poursuivi les déviantes, pourquoi vous ne vouliez pas que je traverse la route? Parce que t'aurais pu te faire tuer. Et je déteste remplir la paperasse pour l'équipement endommagé. Parler de connards, Hank et les androïdes déviants. Parler de connards. Est-ce que vous avez des questions me concernant? Sûrement pas. En fait, si. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont donné un air débile et une voix bizarre? Les androïdes Cyberlife sont conçus pour travailler en harmonie avec les humains. Mon apparence, ainsi que ma voix, ont été spécialement étudiées afin de faciliter mon intégration. Ils sont bien foirés. Oh, shit! Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Pourquoi vous détestez autant les androïdes? J'ai mes raisons. Un membre de la famille a été tué par un androïde, quelque chose comme ça, là. Je devrais peut-être vous dire ce que nous savons sur les déviants. Tu lis dans mes pensées. Vas-y. Nous pensons qu'il se produit une mutation du logiciel chez certains androïdes, ce qui les incite à émuler les émotions humaines. Tout ça, c'est du chinois. Ils ne ressentent pas vraiment ces émotions, mais ils sont submergés d'instructions irrationnelles, ce qui provoque un comportement imprévisible. Les émotions, ça fout toujours la merde. Les androïdes sont pas si différents de nous, après tout. T'as déjà eu affaire à des déviants? Une tonne. Il y a quelques mois, un déviant a menacé de sauter d'un toit avec une fillette. J'ai réussi à la sauver. Bon, je suppose que t'as bien fait tes devoirs. Tu dois savoir des tonnes de trucs sur moi. Dire la vérité et mentir. Et on va dire la vérité, man. Je sais que vous avez fini premier de votre promotion. Vous vous êtes distingué sur quelques enquêtes et êtes devenu le plus jeune lieutenant de Détroit. Je sais aussi que vous avez reçu plusieurs avertissements ces dernières années et... que vous fréquentez beaucoup les bars. Alors, qu'est-ce que t'en conclus? Être sincère, psychologique, insensible. Être sincère. Je pense que travailler avec un agent ayant des problèmes personnels ne facilite pas les choses. Mais m'adapter aux aléas des humains fait partie de mes fonctions. Ah ? On vient de me signaler un déviant potentiel. C'est à quelques rues d'ici. Nous devrions aller voir. Je vous laisse finir votre repas. Je suis dans la voiture, en cas de besoin. Yeah, ça, ça c'était fort! Hey, Connor! T'as les batteries à plat ou quoi? Excusez-moi, je remplissais un rapport pour Cyberlife. Ah. T'as l'intention de passer ta journée dans l'ascenseur? Non.
J'arrive tout de suite. Interrogez le suspect. Alright, let's Qu'est-ce do it. Qu'est-ce qu'on sait sur ce gars? Pas grand-chose. C'est le voisin du dessus qui a signalé des bruits étranges venant de cet étage. Hein? Personne n'est censé habiter ici. Mais le voisin aurait vu un homme dissimulant une diode sous... Ah, j'ai pas pu dire ce que je voulais dire, hein? Bon. Sa casquette. Oh putain, si on doit mener l'enquête, à chaque fois que quelqu'un entend un bruit étrange, la police va devoir sérieusement recruter. Attendez, je vais juste voir s'il y a autre chose à regarder ici. Rien d'autre, alright. Hey, tu remplissais vraiment un rapport dans l'ascenseur? Rien qu'en fermant les yeux? Exact. Il y a quelqu'un? Police de Détroit, ouvrez! Reste derrière moi. D'accord. Il veut me protéger, là! Même si je suis un androïde! Attendez, y a-t-il quelque chose ici? Non, y a rien. Attendez, on va voir là-dedans. Peut-être y a de quoi, on sait jamais, hein? Ah, ok, y a un livre et that's it! Détroit Today, épidémie de Red Ice. Ouais, on a remarqué qu'il y a beaucoup de Red Ice dans ce jeu, hein? Tourne la page. Point de... Ok, attends. Point de non-retour atteint. Hein? Bon ben, c'est fini pour la Terre, on dirait. Hein? Et gay. Attends. Oh, ok. Yo, I have to go. Putain, mais c'est quoi ce bordel? C'est ça. Respectez l'appartement. Oh, c'est pas vrai, ça pue ici. Ok, ben préparez-vous à voir un cadavre quelque part. Bon, ouais, il y a beaucoup de choses à faire ici, on dirait, hein. Bon, on va commencer par... On s'est déplacé pour rien. Notre homme a filé. On ne sait jamais. Veste militaire. Ok, compris. RT. Sans doute des initiales. 8-8. Il a mis ses initiales sur sa veste. Le genre de truc que fait ta mère quand t'es en colo. C'est l'heure de rutiter des choses. Le suspect aime les animaux sauvages. Et c'est ce qu'on a remarqué, oui. Attendez. Il y avait un autre truc ici, hein, le frigo? Oh, alright. Le suspect ne mange pas. Android? Got you, baby boy! Ah! Ok, fake ID! Ah! Permis de conduire faux! Le permis de conduire est un faux. Cool, au moins on sera pas venu là pour rien. Ici. Mais t'abuses, man. T'as oublié ce que Hank t'a dit? Sans bleu. Ah! Hank, à un moment donné, dans une enquête, il a dit « Ah, ne te fous pas des trucs dans la bouche pour rien, voyons donc. » Oh, ok, le déviant a enlevé le LED. Il y a sa diode dans l'évier. J'aurais dû me douter que c'était un androïde. Aucun humain ne pourrait vivre avec autant de pigeons. Ok. RA9, encore! Toujours RA9, man! Tu sais ce que ça veut dire? RA9. Écrit exactement 2471 fois. C'est le même sigle que l'androïde d'Ortiz a écrit sur le mur de la douche. Pourquoi sont-ils obsédés par ce sigle? On dirait des genres de... labyrinthes. Ok, écriture obsessionnelle compulsive. Aha! Bon. Tabouret déplacé récemment en trace d'excréments d'oiseaux. Attends, il y avait autre chose, non? Non, pas ici. Aussi. Ah, ok, je peux checker autre chose. Alright. Marqueur ouvert. C'est bon.
On va le voir écrire comme un fou, regardez ça. Le suspect était ici récemment. C'est bon. Ah, il est tombé! Le suspect a couru dans le salon. Parce qu'il a vu de quoi, c'est ça? Oh. Il n'y a plus rien à faire. Y a-t-il autre chose? Rien d'autre! Alright. Attends, ok. Deux trucs. Ah putain, je déteste ces trucs! Ok. Ça. Rayure récente. Nice. Trace de doigts récente. Ok, tout est récent, on a compris. Donc il vient tout juste de s'enfuir. Crochet métallique. Constitué. Ça? Oh, ok, c'est pour ça qu'il y a plein d'oiseaux partout. Oh. Attendez. Il n'y a rien là. Ah là. Le suspect nous a entendu entrer. Oh. C'est vraiment récent, récent, récent. Le suspect est toujours là. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il y avait une caméra en haut. Moi, je croyais au début que je pouvais aller en haut. Mais non, c'est parce que le suspect est encore en haut. Il y avait une autre chose. Ah ouais, ici. Ok, ça. Ok, affiche. C'était une affiche pour je sais pas quoi. Et y a-t-il autre chose? Ah! Point d'affiche. Déplacé récemment. Je sais pas si ça va me servir à quelque chose. Devrait vivre. Moi qui pensais être le seul débile à garder ses vieilleries. Ah, tout le monde est passé au livre numérique. Plus d'odeur de papier. Et fini les pages qui jaunissent. T'as trouvé un truc? Je ne sais pas. Je n'ai pas menti. On dirait un carnet, mais il est indéchiffrable. Ah, saloperie de pigeon de merde! Mais qu'est-ce que t'attends? Rattrape-le! I got you! X! Carré! Ok, je dois courir! Mon bonhomme ne court pas tout seul! C'est vraiment cinématique cette affaire-là, hein? Holy shit! Attendez. Facile, mais lent, rapide, mais risqué. Yo, let's do it! Risqué, mais rapide. Let's do. Équilibré, détour, prudent, rapide, mais risqué. Rapide, mais risqué. Let's do this! Moi, je vais toujours prendre les rapides, man. Direct, mais bondé, détour, prudent. Wow! Yo, bande d'androïdes, man! Arrêtez-le! C'est quoi? Attends. Rapide le risqué. Ah, shit, man! Attendez. On va aller ici. On va aller ici. Wow. Wow. Got you. Wow. Putain de merde. Oh, t'as réussi à nous suivre. Yo, je vais t'avoir, bro! Hey, bro! Sur mes lents, direct mes bondés! Yo, fuck that, direct mes bondés!
Holy shit, yo, parti où? Oh, tu l'as eu, hein? Ah non, 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 va sauver Hank, tu dois faire la bonne chose. Yo, attends. Chance de survie 89%. Yo, non, je veux pas qu'il crève, je veux pas qu'il crève. Il y a 11% de crevé, dude. Merde. Oh merde, on le tenait. Putain. C'est ma faute. J'aurais dû être plus rapide. Mais j'étais rapide. Tu l'aurais eu si je t'avais pas ralenti. C'est pas grave. On sait à quoi il ressemble. On le trouvera. J'ai pris la bonne décision. On peut pas remplacer Hank. Guys. Y'avait... Hey, Connor. Non, rien. Il voulait me remercier. Il avait 11% de chances de crever. Je pouvais pas le laisser. Je pouvais pas laisser... Oh, j'ai envie de voir les statistiques. Combien de gens l'ont laissé crever? Ben, laissé crever entre parenthèses. Attendez, j'ai vu quelque chose de jaune. Rupert s'est échappé. Hey, je connais son nom maintenant. Ouais, ici, c'était quoi? Trouver le journal. Ah, oh, ok, ça a débloqué de quoi? Bon. Let's go. Ah, ok, je suis dans la majorité, les boys. Alléluia! Alors les amis, ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Donc si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, pointe vers le ciel, partager cette vidéo sur Facebook, Twitter, surtout vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!